Il représente la loi. Affirmatif. Il incarne la justice et le courage. Ça bon, ça. Avec lui, pas de fifelouf. T'as qu'en fric ? Ne teste pas. L'agent Verhagen. Saloperie, va. Petit coup de taser, ça va être vite réglé, cette histoire. Et on y monte devant ! Tout en sort un maximum de bruit ! Ah voilà, c'est ce qu'on appelle un flagrant délit de tapage nocturne. Marco, t'as tout filmé? C'est dans la boîte? Merveilleux. Allez hop, contrôle d'identité générale ici, ça va être vite réglé cette histoire. Donnez-moi deux secondes, je suis à vous tout de suite. Je vais égarer l'engin. Hein? Par les temps qui courent. Les gens m'être trop prudents. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? Vous êtes bien installé? Faut pas rester ici, on entend des gens importants, monsieur, OK? Non, mais restez là. Asseyez-vous, monsieur. Faut pas s'enfuir. On va même mettre monsieur dans le centre. Allez. Alors, on l'applaudit, s'il vous plaît. Ça m'a l'air d'être le chef de la bande ici. Je peux avoir vos papiers d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Monsieur Elio Di Rupa. Po. C'est bien ce que je dis. Di Rupi. Di Rupa, ok. Mais c'est pas très belge tout ça, hein? Non. Monsieur est philippin, certainement? Ouais, c'est bien. Congolais, peut-être? Congolais. Hablas français? Hablas français? Est-ce que tu comprends la langue quand je te parle, Tige? Nit? Ah, ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vous rends votre carte. Monsieur a bu un petit verre, certainement? Bien, deuxième petit verre. Après, on reprend le volant. Hein? Je connais ça. Hein? Puis après, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon, ça arrive. Bon, un petit moment d'inattention. Oups! On écrase un enfant. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On part en cavale à Copacabana. On se lance dans la vente de fruits frais, légumes de saison, Kalachnikov semi-automatique. On se dit, tiens, pourquoi pas faire un trafic d'enfants, d'organes, soldats, histoire de tous les armées et faire péter toute l'Amérique centrale, terroriste! Écoute, Tanzer, ça va être vite réglé, cette histoire. Dites-moi, excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu, vous avez un peu laissé tout seul, quoi. C'est pas bien, ça. Vous allez vous asseoir aussi, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Tout le monde, on est solidaires, hein, chez les socialistes. OK? Bon! J'en étais, moi, ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Matricule 537, agent Verhagen. Effectif jusqu'à Beerschot en passant par lac et en plus ça rime. Paf! OK? Membre et chef de la brigade d'intervention spéciale canine. Ouf! Ouf! Je peux t'assurer que des pitbulls, j'en ai dompté plus d'un. C'est pas un troupeau de petits bichons comme vous qui va me faire peur. OK? Oui, oui, j'ai peur. Regarde, je tremble ici, je tremble. Saloperie, va! Écoute, Tanzer, ça va vite régler cette histoire. Verhagen! Imprimez bien ce nom, la quête. Avec le V de Vini, Vidi, Vici. Le E là-bas! Le G, de G tes papiers. Le A, de alles schieve. Et le G, de G tes papiers, sans prix. Écoute, Tanzer, ça va être réglé, cette histoire. Vous savez pourquoi je suis rentré dans la police, monsieur? Ne répondez pas aux questions. Ouais, on se calme. Oula. On se calme. Parce que j'aime pas le vol. Le vol à l'étalage, le vol de véhicules, même pas le vol de bonbons. Par contre, il y a un vol que j'affectionne particulièrement.
c'était un bon vol au vent. Ça, c'est bon, ça. Bon, on va pas y aller par tous les chemins. Apparemment, il y a un gros problème de sécurité ici. Bonjour les jolis, André Lectin. Ouais, d'accord. Hein? Je veux pas de fifelouf. T'as compris ça? Je veux entendre les mouches péter ici. OK? Je vais t'expliquer un peu, Chouk. Regarde, ça c'est toi, ça. Tu vois ça? Regarde, ça c'est toi, ça. Ferme un peu ton clapet. Oh, quel bonheur! Cap! Bon. Sans priva! Des coups de flashbows dans ton gueule, ça va vite régler cette histoire! Hein, y'a pas que le taser. Faut se diversifier dans la vie. Attends, excusez-moi deux secondes, monsieur. On fait papa tango Oscar ici à Jean Verhagen. Je confirme, les bronzés font du ski. Il s'agit bien d'individus à forte pigmentation dans le sol. Du quoi, Marc? Oui, oui, ils sont devant moi. Ils ont l'air très agressifs. Il y en a qui bavent de rage. Ben, écoute, je vais parler en langage codé parce qu'ils sont juste là. Hein. Donc, je te confirme, Marc, la présence dans la salle, il y a beaucoup d'arabes, enfin de couscous royal, hein. On va dire ça, c'est du couscous royal. Ah, ouais. Comment ça, où? Ici, à Anderlecht, hein. Alors, j'ai du pundu, du foufou, tout le bazar. Et si je cherche un peu, je suis sûr que je peux tomber sur... du riz cantonais et des macaronis 4 fromages. On est d'accord. Qu'est-ce que je fais à consommer sur place ou emporter? Je t'ouvre. Ok, mec. Ok, c'est bon. Voilà, ça. C'est fait. Bon, les gars, je préviens toute la salle ici. Le débat va continuer tranquillement. Et au moindre faux pas, et faux pas grand-chose en l'occurrence, ce sera très simple. Allez, hop! On embarque au cachot. Je peux t'assurer que chez nous au cachot, il n'y a pas de prison break qui tienne. Quand? Tu peux te tatouer tout ce que tu veux sur ton tiche, t'iras nulle part, quête. Quand? Ah ouais. Et si tu crois que tu vas te casser quelque part en cassant un mur ou quoi, ok, j'aime autant te dire que tout ce qu'on va casser ici, c'est tes petites rotules, chef. Bon, je crois que c'est clair. Monsieur Dirupi va continuer son débat tranquillement. Avec ses amis de toujours qui le soutiendront tout le temps, quoi qu'il arrive. D'accord? Tout va bien se passer. Et au moindre faux pas, ce sera identification, arrestation, strangulation. C'est bon, ça? Ah ouais? C'est bien, c'est qui? Fais bruit pour Monsieur Dirupi! Ouais! Bon ça, hein? Merci d'avoir joué le jeu. Allez, on se lève. Bon ça.